Seigneur, moi soif. Matin, nous contents, nous profitons l'occasion pour nous saluer tout le monde. Car le Seigneur permet à ce que nous lever matin à fait de plein souffle. Il permet à ce que nous respirer encore. Il enseigne nous ça dans le psaume 150 et verset 6 que tout ce qui est pire nous, l'Éternel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Et nous disons le Seigneur merci pour ce grand privilège car on n'a pas avancé certainement avec thématique là. Et nous dans 23e jour, dans 4e mois, que nous avons savouré thématique ça, bonheur chrétien, que nous jouons dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Et nous avons ouais, avec vous un parallélisme, avec vous un face à face, un vis-à-vis, un parallèle entre malheur et bonheur. Et nous, ouais, qui ça est malheur là, il était épousé, et qui ça que t'as accouché, c'est calamité, misère, désastre, catastrophe, tout ça, vous comprenez? Mais et la caille, le Seigneur, et bonheur là, nous, ouais, c'est gratis, c'est heureux, être heureux, être et avoir en fait le bonheur et gagner cette en fait béatitude que le Seigneur tout lui quitter pour nous tous nous les chrétiens. Matéa bien-aimé, nous gagnons un mot un thème et qui est vraiment fort, c'est la foi que nous jouons à côté de bonheur ça. Et c'est en ce qui a trait avec l'Engadé, dans verset, dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 6. Il dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme. Hein? Exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Sans les œuvres. Là, nous, certainement, nous pas aller trop profond dans le mot ça, mais nous réalisons certainement que gagnons point que c'est là dans c'est non seulement la foi, mais œuvre. Et nous connaissons gagner une religion qui fait promotion de œuvre là. Mais Jacques Lallé loin, oui, Jacques Pral tranche tout, en dans tout, et Jacques Pral dans Jacques 2, 26, et Jacques Pral font équilibre en dans lui, et nous corps sans âme, et puis nous foi sans les œuvres, les mortes. Et là, Jacques là, il pas enseigné là pour dire que si vous n'avez pas fait œuvre, vous n'avez pas sauvé. Mais il veut montrer que combien que foi est vraiment important. La foi, il gagne une importance capitale là. Ouais, c'est œuvre là, il n'est pas qu'à sauver ou. Et c'est ça, David, où David a célébré sacré le bonheur là. Et nous venons comprendre fort bien en dans équilibre ça. Et c'est là nos préjugés réformes non et Martin Luther comprenez bien qui était un prêtre un aspirant prêtre et qui était vraiment au couvent probablement et qui pourrait aller dans qui va faire découvrir ça à travers la Bible. C'est ça que fait noter, ouais, avec vous, dans première lettre, au mais chapitre 16 et 17, là. Et là, nous regardons, c'est en lisant la Bible, eh bien, Martin Luther pourrait faire découvrir ça, non, il pourrait dire que le juste vivra par la foi. Et plus haut, il dit, car je n'ai point de l'évangile,
Et c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il pourrait citer juif, grec, etc. Et mais dans le verset 17, là, il pourrait dire le juste vivra par la foi et par la foi seule. Et mais peut-être que ça, il t'a pensé, si ce n'est pas ça, l'itéye. Et c'est pour ça, raison ça, que je sais, écrit, en fait, 95 thèse, sous mur, là, côté que l'ité, vraiment, capatrone. Alors, bien aimé, vous pouvez comprendre fort bien que œuvre là, c'est, il va pas sur le pas important. Au moins, mais c'est leur fin sauve, on fait œuvre. Au moins, mais, et c'est pas pour cette raison que, et Paul Pradine dans Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et à verset 8 là, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez bien? Alors là, et c'est ça, vous voyez bien? Et dans le texte que nous sommes avec vous là, et David, il pourra vivre l'expérience ça. Vous voyez bien? Il pourra célébrer le bonheur ça, et bien, à travers cette, bon Dieu pourra justifier lui par la foi. Vous voyez bien? Il pourra le voir, ce n'est pas œuvre. Vous voyez bien? Ce n'est pas œuvre qui mettait là. Vous voyez bien? Mais c'est la foi même. Moi-même, c'est la foi, et ce n'est pas pour ça. Donc, on va dire de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute. Moi-même, impute. Moi-même, la justice. Moi-même, la justice sans les œuvres. Et là, on regarde des verbes imputés, hein, puisque l'effet implication à synonyme, non, c'est gratifier, c'est incriminer. Moi-même, et autre encore. Et, mais le bral garde des verbes grecs là, le bral dit moi, elogéo. Moi, elogéo, c'est mettre en, au compte. Mettre au compte. Et si nous regardons dans Philémon, si nous regardons dans Philémon, et nous connaissons un seul chapitre, verset 18 là, le bral dit que s'il t'a fait quelque tort, ou doué quelque chose, moi, mets-le. Mais le fait sur mon compte, car nous songez que et il est question en fait de Philémon et Onésime, au moment où ils étaient esclaves, la Cali, et nous pouvons réaliser que et c'est sûr que et d'après l'être là que Philémon était son vol. Et la caille, et non, et Onésime, t'es fait un vol, la caille Philémon. Et finalement, nous allons, ouais, côté, et Philémon pour aller, moi, traverser de mer en mer, que pour jouer, vous comprenez bien, et pour traverser Colosse, et de Colosse étant, la Odyssée, Éphèse, mer Égée, mer Noire, et puis jusqu'à ce que, la Macédoine, jusqu'à ce que, l'Ivée et Italie, Rome. Au point de laisse Paul était en résidence surveillée, au point de main, et puis, au moins, puisque Philémon, en fait, il a été converti au ministère de Paul, et puis qu'on a Paul, qu'on a là, pour aller tourner Onésime, au point de main, pour dire, alors c'est mon cas montre que, en fait, communion fraternelle là, et amour fraternel là, on voit bien, et nous, là, nous pouvons faire justification par la foi, on voit bien, et c'est pas par les œuvres, et puis qu'on est là, et puis là, Paul pral dit à Onésime tourner à jouer maître, à jouer Philémon, et puis avec l'aide sacrée, tourner avec lui, et puis c'était l'aide du pardon, on voit bien, c'était l'aide de miséricorde, on par la foi. Et là, nous parlons, et Paul pral dit, et à Philémon, mais s'il t'a fait quelque tort, ou s'il t'a fait quelque chose, mets-le sous mon compte. Là, nous voyons là, cette bonne typologie là, nous parlons, Paul qu'on est là, c'est un type de Christ là. Oh, bien aimé,
Alors, si c'était un bien-aimé qui t'a sauvé, nous, moi-même avec vous, et voilà, nous pas t'avoir une bonheur ça, nous pas t'avoir une faveur ça, nous pas t'avoir une miséricorde ça, nous pas t'avoir une bénédiction ça. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Et mais c'est là, moi-même, de là et ça, nous pourrons voir que dans verset 7 là, et David pourrait dire que heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Moi-même, et ce n'est pas pour une raison où on connaît, et nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire là, mais on connaît David, et ce n'est pas, moi, il était comme il a fait pas mal de fractions. Moi-même, on connaît ça très bien, et c'est ça même qui était incité, écrit, en fait, dans le psaume 51. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien, et tout ça. Alors, c'est, nous venons comprendre à travers le même texte là. Et puis, nous prenons le que David, il prend célébrer. Moi-même, il prend célébrer bonheur ça. Et bien, c'est pas par œuvre, c'est pas œuvre que le fait, mais c'est par la foi. Moi-même, c'est par la foi. Et c'est pas pour cette raison, en fait, dans Jean 3, 36, il dit car celui qui croit au Fils à la vie, moi-même, mais celui qui ne croit pas ne verra pas pour la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Maintenant, bien-aimé, ou gagner pour garder ça. Et c'est croire en Dieu, bien-aimé. Croire en Dieu. Moi-même, croire en Dieu et puis faire confiance. Moi-même, à bon Dieu ça. Moi-même, c'est mettre la foi dans bon Dieu ça. Est-ce que vous comprenez bien? Et moi, est-ce que je suis capable de dire matin connaître Dieu? On voit bien. Alors, moi, avec vous, on voit bien, nous ne sommes pas capables de connaître mon Dieu. Mais il dit ça, oui. Il dit que quand la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, en fait, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, en fait, le seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé, en fait, Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend, bien-aimé? Alors, la bataille, on peut comprendre le verbe connaître ici, c'est le verbe à Ginosko. Moi, avec vous, pas capable de connaître bon Dieu, bien-aimé, mais c'est bon Dieu qui connaît nous. Connaît ça, verbe connaître ici, il fait référence surtout avec relation, avec intimité, nous, avec le Seigneur. Maintenant, nous encourager avec. Et si la saillot cap coûte nous, ou bien approcher avec confiance, approcher avec la foi pour capable de recevoir bonheur ça. Vous comprenez bien? Matin, nous connaissons pas grand pile temps pour que nous vraiment abonder. Mais qui t'aime mon tien, dans l'autre barre encore. Dans verset 9 là, nous pourrons regarder que. Et il prend dit que, surtout dans le même chapitre-là, c'est dans Romains chapitre 4, verset 9, il prend dit que ce bonheur, en fait, n'est-il pas, non, il prend dit, mais ce bonheur, en fait, n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis, hein? Et nous disons que la foi, fut imputé, moi-même, à justice à Abraham. Ah! Et là, nous pourrons voir que Abraham, qu'on a pral célébré bonheur là. Moi-même, nous pourrons voir Abraham pral célébré bonheur là par la foi. Moi-même, et on croit que le gros référence qui font dans la Bible là, c'est dans le chapitre 22. Moi-même, alors, pas oublier, moi-même, Abraham, au cours de la situation que le théier, bon Dieu fait le cadeau, petit début, et puis bon Dieu m'a délice, hein, pour le présenter, pour le battre Timon ça vraiment, moi-même, et pour le présenter Timon ça en holocauste. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est la foi, bien-aimé. C'est pas pour ça que je baptisé Abraham de papa la foi. Oh, matin, sous besoin, et célébrer bonheur, c'est par la foi.
non par les œuvres. Mon mais non par les œuvres. C'est leur fin sauvé, les sauts capables de faire œuvre. Madame Devlé, mon est passé à pied joint pour montrer que, au point même pour montrer que, mais c'est la foi dans mon Dieu qui pour boire le bonheur là, qui pour boire le salut éternel. Oh, la côté, nous inviter, ou ma faire, au contraire, Paul, il pral déclarer, on prend mais, encore, il pral encourager chrétien Galatio, Galat chapitre 4, verset 15, et Paul pral dit même pas ça, il pral dit, où est donc l'expression de votre bonheur? Hein? Et puis, Paul pral dit, car, en fait, je vous atteste, mais, si cela eût été, moi-même, si cela eût été possible, vous vous serez arraché les yeux, moi-même, pour me les donner. Moi-même, qu'on a Paul pour dire, pas battre nos problèmes. Moi-même, pas m'guetter ouais, non nous, moi ça n'est pas capable. Alors c'est ça, ouais, Paul a aidé, a encouragé pour capable célébrer bonheur yo par la foi et par la foi seule. Au matin et nous inviter au matin trésor qu'on gagne il pas gagne l'autre non yo eleli bonheur yo eleli la foi même yo eleli la foi pour capable joindre bonheur là c'est pas la foi pour joindre mais pour capable gagner pour capable gagner la foi c'est bonheur là c'est pas la foi pour joindre et nous pour joindre ça bien aimé. Avant même que nous terminions, nous pourrions louer quelques privilèges, quelques béatitudes au bon mais et que le Seigneur pral ban nou, surtout dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 3 au verset 11. Mon thème grec ça c'est makarios, bonheur au bon mais et bénédiction. Il pral dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Ouais, ça son bonheur. Et pour ça où est là, pour mon esprit ça là, il fait référence à quelqu'un qui est doux, qui est humble, qui est sage, qui est soumis. Alors moi-même pour capable jeune royaume non. Ouais. Il dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Hein? Moi, heureux les affligés, bénédiction. Moi, heureux les affligés. Heureux les affligés, car en fait, ils seront consolés. Hein? Nous prenons l'autre bénédiction encore, nous prenons l'autre bonheur encore. Nous prenons dire là, heureux en fait les débonnaires. Alors ceux qui sont humbles ici, ceux qui sont sages ici. Au moins, eh bien, du que là, ils hériteront la terre. Nous prenons l'autre bénédiction encore là, et nous prenons l'autre bonheur encore là, et il va dire, heureux ceux qui ont faim et soif la justice. Hein? Là, car ils seront rassasiés. Hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Mais heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, hein? Car ils hériteront. Mais car et le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous comprenez? Et nous pourrons regarder dans verset 11 ans. Là, en fait, pour nous terminer avec bénédiction ça, avec béatitude ça, il pourrait dire là, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, hein, lorsqu'on vous persécutera, hein, et qu'on dira faussement de vous à cause de moi. Alors, vous pourrez comprendre tout ça, yo. Mais toute gratification ça, toute béatitude ça, bonheur ça, bénédiction ça, et bien, nous acceptons par la foi. Et c'est pour nous que nous y sommes. Oh, en nous rentrer la caille, le Seigneur, pour capable saisir bonheur ça.
Bon Dieu fait plan pour vous, il fait plan rédemption, fait plan rachat, car dernier monté ouais tableau ça et avec moi l'autre a gardé condamnation avant sorte ouais justification. C'est par la foi bien-aimé, nous pas payer pour ça. Bon Dieu paye d'être là pour nous avec sang li à la croix. Plan rédemption, plan rachat, c'est avec sang que le fait li. Et ça fait lui dit, le juste vivra par la foi. Et la foi seule. Et ce n'est pas pour ce raison, dans Jean 3, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Longtemps pour te faire une part avec péché, bien-aimé, ou tu es obligé de gagner sans bouc, tu es obligé de faire tout réel, ou tu es obligé de tout nous pas oublier de bagaille. Mais ça n'a pas suffi. Mais ça n'a pas suffi. Et même sacrificateur là, moi-même, en fait, ils sont obligés de bon code marin dans le rélie pour l'entrée qu'on y a là, pour l'aller avec ça devant, quand on va entrer dans le lieu saint, en fait, dans le lieu très saint, ils sont obligés, parce que lui-même, si la ville, pas dans le rélie, il a mouru. Moi-même, Christ vini qu'on y a là, il paye, c'était l'estat, il a tout payé pour nous à la croix. Il nous a gagné d'être encore. Moi, mais jodi a, on prend mais ou pas besoin et chercher bonheur à l'autre côté. Bonheur, c'est dans Jésus que lié ma terre. Nous encourager ou nous encourager bien-aimé. Moi, mais m'pa konnen la ka ou second porte bonheur, second quelque sous quelque relique m'pa konnen, sous konnen gen quelque chapelet, quelque bagaille, yo te quitté pour quelque bague ou même quelque machette. M'pa konnen ki sa lié grand-parent te mou quitté pour ou, mais bonheur ça yo, c'est bonheur éphémère, c'est bonheur pas passager que yé. Et bonheur ça, il a quand même coûté la vie ou capé ni sac ni crabe. Matin, ou besoin saisir vrai bonheur là. Avec quel bonheur moun gagne, il fait implication sur la calamité, à misère, à catastrophe, à désastre. Ou besoin sortir dans la situation qu'on y a, la côté y a. Ben aimé, chaque moun kap coûté parole ça. Si vous avez la carte, vous avez comme un bonheur, comme une image taille, m'a connu qui ça lié, ou à prier. Non! Nous avons seul médiateur, Jésus-Christ. Nous avons seul sauveur, bon nous, Jésus-Christ. Et ça révèle nos grands rendez-vous, bien-aimés. Car la Bible dit, en fait, dans acte 10, il dit, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Il annonce maintenant à tous les hommes, mais à se convertir, à se repentir. Maintenant, encouragez-vous. Nous encourageons, bien-aimés, pas mourir sans Jésus, accepter bonheur ça, accepter bénédiction ça, accepter vrai bonheur ça, accepter bonheur parfait ça. Nous encourageons, bien-aimés, que le Seigneur lui bénisse, que le Seigneur nous encourage, car le Seigneur l'a venu, bien-aimé. Je viens bientôt, retiens ferme ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Qu'il en soit ainsi pour vous. Shalom, shalom.